La Fontaine est un moraliste du grand siècle, né en 1621 et mort en 1695. À travers 240 fables, il s'est livré à des réflexions sur la nature humaine, sur la société et sur la politique de son temps. Le genre de la fable n'est donc pas uniquement destiné aux enfants. Le pouvoir des fables, tiré du livre 8, est une épître adressée à l'ambassadeur de Barillon, dans laquelle La Fontaine présente un orateur confronté à l'indifférence de son public et qui décide de lui raconter une fable afin de capter son attention. Il s'agit donc ici d'une mise en abîme. Comment La Fontaine fait-il dans ce texte l'éloge du genre de la fable Je vais maintenant procéder à la lecture expressive. Le pouvoir des fables, à Monsieur de Barillon. Dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune. Et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout. Personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et pointe à ses paroles. Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour, avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix. Et Cérès, que fit-elle? Ce qu'elle fit, un proncourou l'anima d'abord contre vous. Quoi? De contes d'enfants, son peuple s'embarrasse? et du péril qui le menace, lui seul, entre les grecs, il néglige les faits Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ?» À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en nul honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, au moment que je fais cette moralité. Si Poda ne m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois, cependant. » Il le faut amuser encore comme un enfant. La fable est construite en trois mouvements. Le premier mouvement, qui va des vers 1 à 14, narre les efforts inutiles d'un orateur qui tente de capter l'attention de son public. Le deuxième mouvement, qui va des vers 15 à 31, présente la nouvelle stratégie de l'orateur qui raconte une fable à son public. Enfin, le troisième mouvement, qui va des vers 32 à la fin, délivre la morale de la fable. Je vais maintenant procéder à l'explication linéaire. Dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger, un orateur voyant sa patrie en danger, ces deux premiers vers introduisent le lecteur dans le récit enchâssé. Le temps employé est donc le passé simple, couru, par là, recouru. Ce récit s'inscrit dans le cadre de l'Antiquité à travers les mots Athènes, orateur, république, tyrannique qui font référence à la politique telle qu'elle était vécue et pratiquée dans l'Antiquité grecque. C'est une façon pour La Fontaine de dire que le genre de la fable est capable de s'intéresser au sujet politique. Cette fable s'inscrit aussi dans l'actualité politique du temps de La Fontaine. Rappelons qu'elle est adressée à M. de Barillon Ambassadeur de France en Angleterre, qui avait pour mission de négocier la paix avec Charles II, roi des Anglais. La Fontaine souhaite indirectement intervenir dans la politique de son temps. Cet orateur, le personnage de la fable, se trouve impuissant face à l'indifférence du peuple qu'il veut intéresser à sa cause. Pour convaincre la foule de l'écouter, il opère en deux temps. Le premier va des vers 3 à 5, courut à la tribune, et d'un art tyrannique voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. Ce passage est caractérisé par la violence du discours, ce que suggère le champ lexical de la violence, air tyrannique vers 3, forcer les cœurs vers 4, parla fortement vers 5. Mais la réaction de la foule, indiquée sur le premier hémistiche du vers 6, on ne l'écoutait pas, souligne de façon laconique l'inutilité des efforts déployés. Le deuxième temps va des vers 6 à 9. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. La violence de l'orateur redouble, ce qu'indique encore une fois le champ lexical de la violence. Figure violente vers 7, exciter les âmes les plus lentes vers 8. Le vers 9 est marqué par la gradation de la violence à travers l'énumération de je cite, Fit parler les morts, Tona dit ce qu'il put. Ici, la métaphore Tona renforce l'idée que le discours de l'orateur est particulièrement autoritaire. L'expression Fit parler les morts est une référence à un procédé traditionnel des discours, celui de la prosopopée. Il consiste à faire parler une personne absente ou défunte. L'orateur veut ainsi accroître son autorité. Mais là encore, la tentative se solde par un échec ce que marque le vers 10, qui est un alexandrin en rythme binaire, et dont chaque hémistiche exprime l'échec de l'orateur comme une double gifle qui lui est faite. Je cite, Le vent emporta tout, personne ne s'émut. Les pronoms indéfinis, tout et personne, renforcent l'idée d'un échec total. Les quatre vers suivants, les vers 11 à 14, décrivent l'attitude de la foule. Et rendent la scène très vivante en nous plongeant dans le regard de l'orateur qui assiste à son désastre. L'animal aux têtes frivoles étant fait à ses traits ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et pointe à ses paroles. La Fontaine formule dans ses vers une remarque sur la nature humaine par la périphrase L'animal aux têtes frivoles, au vers 11. L'homme est caractérisé par sa légèreté et son immaturité. D'ailleurs, le vers 14, à des combats d'enfants et pointe à ses paroles, est un alexandrin en rythme binaire. Il oppose ceux qui suscitent l'intérêt du peuple, les combats d'enfants, à ceux qui suscitent son indifférence, pointe à ses paroles. L'orateur se sent seul, il est coupé de tous, il est seul face à son échec et il décide alors d'adopter une nouvelle stratégie. La nouvelle stratégie de l'orateur est décrite dans les vers 15 à 31 et constitue le deuxième mouvement du texte. Elle consiste à raconter une fable afin de capter l'attention du public. La Fontaine commence par une question au vers 15 "Que fit le harangueur C'est une façon d'intéresser le lecteur à son histoire en l'interrogeant. L'orateur raconte donc une fable à son public. Cérès commença-t-il Faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle, un fleuve les arrête, et l'anguille en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. Tous les éléments de la fable sont présents. Les personnages imaginaires, cérès, les animaux, l'anguille et l'hirondelle, qui portent une majuscule pour les personnifier. L'emploi du passé simple, le temps du récit, le traversa, au vers 20. Le schéma narratif, une situation initiale, faisait voyage un jour, au vers 16, et l'élément perturbateur, un fleuve les arrête, au vers 18, avec son présent de narration. C'est donc un récit vif qui commence et qui attire l'attention du public. L'Assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix. Le complément circonstanciel de temps, à l'instant, associé au verbe cria, insiste sur la force de la réaction du public et montre que cette réaction de la foule est non seulement subite, mais aussi intense. Commence alors un nouveau moment de discours direct qui se poursuit jusqu'au vers 27 et qui formule le dialogue entre l'orateur et la foule. Et Cérès, que fit-elle Ce qu'elle fit. La fontaine a particulièrement soigné le réalisme et la vivacité du récit en faisant répéter à l'orateur la question du public pour ensuite lui adresser des reproches. Ces reproches sont mentionnés au vers 22 à 27. Je cite. Un prankourou l'anima d'abord contre vous. Quoi De comptes d'enfants son peuple s'embarrasse Et du péril qui le menace, lui seul entre les Grecs il néglige les faits Que ne demandez-vous ce que Philippe fait Ces reproches sont caractérisés par la modalité exclamative marquée par la ponctuation forte, les points d'exclamation au vers 24 et au vers 26, ainsi que l'interrogation rhétorique du vers 27. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait celle-ci souligne l'indignation de l'orateur. Il veut faire comprendre au peuple qu'il doit s'intéresser davantage à la situation politique qu'à des fables. Les vers, 28 et 31, constituent une sorte de conclusion de la stratégie de l'orateur. À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur un trait de fable en nul honneur. Ceci est un quatrain d'octosyllabes en rimes plates qui renoue avec un rythme simple et stable. La fontaine signifie ainsi que le bon ordre est revenu parmi les Athéniens. On peut ici analyser trois mots particulièrement importants. Le mot fable dans Un trait de fable en nul honneur au vers 31. Il s'agit du genre de la fable dont la fontaine fait l'éloge, d'où la majuscule sur le mot. La fable a réussi là où la violence du discours et de la rhétorique traditionnelle avait échoué. Notons également le mot apologue au vers 29, où la majuscule donne une importance particulière à ce mot, et pour cause. Par l'apologue est complément d'agent de réveiller. Comprenons ce mot réveiller au sens intellectuel. La fontaine veut dire ici que la foule a connu une forme de prise de conscience. La fable et l'apologue sont donc propres à modifier profondément la perception du monde. Le dernier mouvement de la fable des vers 32 à 37 en constitue la morale. Le propos acquiert une valeur générale grâce au présent en valeur de vérité générale, sommes, et le pronom personnel nous, doublé du pronom indéfini tous. L'expression nous sommes tous d'Athènes signifie que tous les hommes agissent comme la foule des Athéniens. Nous sommes tous sensibles au charme d'une fable ou d'un conte. D'ailleurs, l'auteur reconnaît lui-même qu'il agirait ainsi en disant et moi-même, mis en valeur. À la fin du vers 32. Le présent à valeur d'énonciation, au moment que je fais cette moralité, nous rapproche du moraliste, car le lecteur se sent aux côtés de lui qui est en train d'écrire. Nous entrons ainsi dans la pensée intime de La Fontaine, qui avoue être encore tenté par un conte, celui de Podane, et par le plaisir, alors même qu'il rédige la morale de la fable. Le monde est vieux, dit-on, je le crois, cependant, il le, faut encore amuser comme un, il le faut amuser encore comme un enfant. Ces deux vers apportent un éclairage sur la vision du monde qu'à la fontaine. On opposera le monde est vieux, qui fait référence à l'Antiquité, et le mot encore au vers 37 qui fait référence au présent. La fontaine indique ici que, depuis l'Antiquité, le monde et la nature humaine sont éternels. L'autre antithèse entre vieux et enfant souligne que l'enfant existe toujours en l'homme, même s'il est adulte et sage, et qu'il faut toujours charmer cet enfant qui est en nous par le plaisir d'une fable. Le plaisir l'emportera toujours sur les discours tyranniques. C'est donc ici un merveilleux éloge du genre de la fable qui est bien plus que le simple ornement d'une morale ou d'une pensée. Elle est un genre capable de porter un propos grave, philosophique ou politique, tout en divertissant les hommes. Le véritable talent de La Fontaine fut de s'inspirer de ces modèles antiques que sont Ésope et Phèdre, et de les dépasser en donnant au genre de la fable ses lettres de noblesse.